Alors, les amis, vous allez subir avec moi le pire jeu. Le pire jeu de la licence Nintendo. J'ai nommé Pokémon Let's Go Evoli. Alors, voilà ce qui va se passer. Il va se passer que. Voilà, on va m'emmerder plutôt que de faire le Pokédex. Parce qu'à la base, je voulais voir si j'avais des pierres lunes pour les transférer dans le jeu sur Pokémon Diamant Étincelant, enfin un délire de Pokédex, quoi. Et en fait, j'ai vu une cinématique, du coup, j'ai éteint le jeu et j'ai dit, bon, bah, c'est parti demain, quoi. Yo, t'es là-haut? Je monte! Alors, comment se porte le maître de Kanto ce matin? Y'a pas de Goupix dans le jeu? Si, bah, j'en avais un, mais je l'ai fait évoluer en Fenrir. J'avais fait une team full feu. Alors, du coup, j'avais un méga Dracaufeu, j'avais Arcanin, Magmar, Fenrir. Evoli parce qu'on est obligé de le garder. Et j'avais chopé un. Je comptais attendre un Galopa. Et j'ai jamais vu de Galopa. T'en as pas trop sur les lauriers, mon pote. Je compte bien te détrôner un jour. En fait, t'as entendu la rumeur? On raconte qu'un Pokémon super fort est apparu. Du genre super fort et méga cool! En tout cas, il paraît qu'il traînerait près d'Azuria. Je serais planqué dans une grotte. Ça te dirait qu'on aille à sa recherche? Genre maintenant? Et allez, go! Le premier qui attrape a gagné. Mais oui, non, il avait un de Goupix. Il m'a suivi pendant beaucoup de temps dans l'aventure avant d'évoluer en Fenrir. Parce que quand j'ai chopé une pierre feu, quoi. C'est où Azuria? Donc vous êtes maître, il n'y a plus de frontières. Ado de Dracaufeu, Ptera ou Dracolos? Salut, je peux te déranger une minute? Tu te souviens de moi? On s'est croisés sur la route 1. Mon nom, c'est Owen. J'ai un message à transmettre au nouveau maître. Sache que les experts sont apparus aux quatre coins de la région. Ce sont des dresseurs qui ont réussi à maîtriser à la perfection une espèce précise de Pokémon chacun. Je te conseille de commencer par affronter l'experte Evoli. Tu la trouveras sur la piste Pokémon. Si tu veux en savoir plus, demande-moi. Non mais ta gueule en fait. Ce jeu de mort, je vais y jouer pour capturer Mewtwo. Voilà, donc le fameux Fenrir qui me suit du coup. Et je peux aller où je veux à dos de Dracaufeu. Très bien. Eh bien, je vais aller à Azuria? C'est où cette merde? Ah, c'est le seul jeu où la carte me servait à quelque chose également. Besoin de le préciser. Alors, Azuria, ça c'est Jadiel. Argenta. Azuria, c'est pas la ville d'Ondine? Azuria, voilà. Comment on y va? Excusez-moi. Comment je fais pour aller où je veux à d'autres Pokémon volants là? Ce jeu de mort un peu. Alors, appuyez sur toutes les touches. C'est pas B, sinon ça va. Bref. Ça va le faire. Non, peut-être pas cette touche-là non plus. Ça manque de moutons. Désolé l'astuce, Watt n'est pas dans la première génération. Et ce jeu n'est que sur la première génération. Donc il y a 151 Pokémon, quoi. En plus d'avoir des Pokémon qui sont trilimités, d'avoir une région qui, soyons honnêtes, Kanto, ça pue un peu la merde. De temps en temps, pas tout le temps, hein, mais. Jadiel, ça vaut le coup. Parce qu'il y a Giovanni. Bon, mais le reste. Comment on... Ben ça va être Google ça, hein, je reconnais. Hein. Alors... Ce jeu de mort, quoi. Si vous êtes volé dans l'un des jeux Pokémon, vous devez utiliser la capacité Sky Dash. Vous découvrez la capacité en progressant naturellement dans le jeu. Et après le troisième Pokémon Gym. J'ai vol? Ah bon? Autant pour moi, je savais pas que je l'avais. Bon, j'ai pas trop suivi ce jeu-là, de toute façon. Je l'ai mis en période creuse et puis je m'emmerdais un peu quand je l'ai fait. Excusez-moi. C'est clairement loin d'être mon meilleur jeu Pokémon. T'es sûr que je l'ai, vol déjà?
Mais on va repartir sur Internet, hein. Ah, c'est en vol qu'il me faut. Ah, mais excusez-moi, j'ai pas sur la bonne attaque. Alors, téléport, toxique, tricherie, surf. En même temps, je l'ai pas vu non plus, donc. Attendez, mais il y a un truc là, il y a un complot. Attendez. Bah écoutez, on va y aller à pied, hein. De toute façon, c'est pas loin, heureusement. Ça vous fera profiter des vieilles OST de Pokémon. Parce que même si moi j'adore les OST de la 5G, les OST de la première génération sont pas trop dégueulasses. Je vous laisse en profiter un petit peu, je vais monter un petit peu le son pour vous. Voilà. On est déjà marre. Hein. Bonjour, c'est re-moi. Excusez-moi. Ah, mais j'ai la forêt à traverser. Je sais plus le chemin. Open. Ça doit être par là, je pense. Il y a un panneau, ok c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, on va aller par là. J'ai joué au premier. Ah ouais, l'affiche qui affiche sur le stream, c'est pas les mêmes lettres. Hein. J'ai joué au premier Pokémon, donc je pense que ça ne me dérangerait pas de rejouer à la Gen 1. Bah en vrai, le jeu a un bon potentiel, mais il est trop mauvais. C'est-à-dire que la Gen 1 en soi, bon moi je suis pas fan, mais c'est une Gen comme une autre. C'est la Gen qui me pose problème. Mais après, c'est le gameplay qui me pose problème. Surtout, au-delà. En fait, le truc qui en fait un jeu horrible, c'est le gameplay de capture de Pokémon qui est comme Pokémon Go, et l'XP qui est trop chiant à avoir, en fait. Tiens, tu pourrais passer environ 30 minutes dans les hautes herbes, ça te fera pas XP autant que dans les autres jeux, parce que l'XP est à chier dans ce jeu-là, quoi. C'est les dresseurs que tu dois affronter. Les Pokémon sauvages, tu peux juste les capturer, tu peux pas les affronter. C'est super chiant, quoi. Après la gêne, ça c'est des goûts perso. Hein. Moi je sais que la gêne 1, bah, je suis pas spécialement fan, à part Giovanni. Bah, après je sais que je suis pas trop fan de la gêne 1, mais ça après c'est des questions de goût quoi. Hop. D'où les répulsifs quoi. Mais au moins je peux dire que j'ai joué à la première gêne entre guillemets. Parce qu'au moins je connais l'histoire, tout ça. Parce que là, bah, l'histoire c'est la même. Hein. Et pourtant, il y a les méga évolutions. Ça m'avait manqué. Merci Fenard. Si c'est par là, hop. Quoi, faut que je traverse cette grotte là pour y aller? C'est le seul jeu. En fait, c'est le seul jeu où je connais pas du tout la carte. Enfin, oui, la carte. Du coup, je suis obligé d'utiliser tout le temps, quoi. Les monstres. Ah oui, je suis obligé de traverser le monde Silinitz. Ok. Ok. Franchement, les premiers jeux, les remakes, feu, sont mieux. Les premiers jeux, les remakes? Ah, les remakes de la première gen, les tout premiers remakes qu'il y avait eu. Ça, j'y ai pas joué, hein, je vais pas te dire. Hein. Après, moi, j'aimerais bien, franchement, tu vois, un remake des anciens jeux, un peu à la Diamant Étincelant, j'achète direct, en fait. C'est qu'en fait, là, en fait, j'ai vu des commentaires passer sur Internet, en fait, ils ont pas spécialement tort. C'est qu'un graphisme un peu à la 3D, comme ça casse un peu le délire de Pokémon. Le côté assez petite taille qu'ils ont gagné dans Diamant Étincelant était parfait en fait, je trouve, niveau graphisme. Tu refais tous les jeux qui existent en génération au format Diamant Étincelant, t'as moyen d'avoir une des meilleures licences Pokémon sorties en fait. Hein.
Pourquoi il y a encore la Team Rocket là? Il est pas affronté celui-là? Ouais non, ok, parfait. De toute façon Mewtwo c'est la grotte d'Azuria, hein, pas le Mont Sélénite. Le Mont Sélénite c'est bien à part. C'est bien autre chose. Des gens qui ont pas aimé le côté chibi sur le remake. Mais justement, moi c'est le côté chibi qui manque au nouveau jeu Pokémon, je trouve. Je suis dans le bon chemin là. Diamant étincelant, mais avec de la difficulté. Bah, Diamant étincelant, j'ai été un peu surpris de battre Cynthia du premier coup, pour le coup. Là, je vais être honnête, Cynthia, je l'ai battu du premier coup, je trouvais ça surprenant, puisqu'on me l'avait vendu comme la meilleure, meilleure maîtresse de ligue. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu surpris sur le coup, mais bon. Ça dépend aussi des gens, quoi. Je trouvais hyper cool. Mais justement, le côté chibi, il y avait plein de choses qui étaient bien avec le côté chibi, quoi. Là, les persos en 3D, c'est bien, mais c'est beaucoup moins bien, quoi. Et bah, demain. Qu'est-ce que tu trouves? Faut dire à trouver quelque chose dans les buissons. Une bénanab. Oh, c'est la deuxième, c'est cool. Après, peut-être qu'un jour, en vrai, avec un peu de motivation, peut-être que je referai diamant étincelant en mode Nuzlocke, peut-être. C'est dire quoi ça? C'est quoi leur symbole? Je veux juste voir ce que c'est. Un expert abo. Ah oui, c'est vous, vos experts à la con là. C'est quoi le O? J'ai jamais vu cet emoji là. Étoile dans les yeux XD. Est-ce qu'il y a un fenard qui me suit? J'attends de le voir, dis donc le fenard, hein. D'enlever un peu les étoiles pour voir le fenard. Pardon, par contre je suis stuck là en fait, faut que j'aille où là? C'est pas O. Non c'est UU. C'est youhou. Enfin, j'ai plus le. Ah, je sais plus le dire. Youhou. Comme ça. Par contre, la boîte de chat, elle déconne un peu. Hein. Quand vous mettez des apostrophes, elle est en PLS. Hein. Je vais pas dire, hein, mais. Arrêtez les apostrophes, s'il vous plaît. Pardon. Non, si tu fais diamant perle en Nuzlocke. Non, mais le remake, hein, le diamant étincelant. Hein, pas le. Peut-être que j'essaierai. Après, les Nuzlocke, je trouve ça cool en vrai. Là, on voit les Nuzlocke. Ah, mais c'est ça la grotte, non? Ah mais sur ma vie c'est ça la grotte. Le Nuzlocke c'est cool en vrai je trouve. Hein. C'est chiant parce que quand on perd un Pokémon, bah on le perd quoi. C'est le but du Nuzlocke quoi. Le Fenard, non je te félicite pas. Pff, fallait que je le fasse évoluer, j'avais besoin de Pokémon de toute façon. C'était même pas une question de choix. Bonjour, je passe pas là. Ben c'est ça, c'est challengeant. Ouais c'est sûr. Par contre comment je passe là-haut? Open! Je suis stuck! Ok, faut faire le tour. Non, blague à part, quand. Non, mais attendez, faut que je commence du début là. Ah oui, oh merde. Bah, au pire, attendez, au pire, je remonte le. Pas moyen de faire le tour par là, là. Par contre, j'ai fini mon Nuzlocke Emerald hier sur Emerald. J'ai kiffé. C'est celui où t'étais en Link là. En gros, si ton pote il perdait un Pokémon, tu le perdais aussi. Je suis bloqué là. Faut que je refasse. Vous allez me détester. Faut que je refasse tout le tour. C'est-à-dire que je vais devoir faire le tour d'Azuria. J'ai envie d'en finir déjà. Oui, 8 morts en tout. Ça va. Non, franchement, c'est soft. Hein. Alors qu'on a, il y a Safrania. Non, mais je peux pas faire le tour. Hein. Mais non, mais. Forcément, un truc qui est mal foutu là. Ah oui. Pas une bicyclette toi vite fait? 8 morts, non ça va franchement, oui, oui du coup je disais quand même à la base, non ça va 8 morts en vrai. Ni à vendre ni à louer, on va bien te faire foutre, c'est vrai qu'il avait dit ça. Pourquoi Mewtwo existe en fait?
Il est là, hein. Pour moi, il est forcément là-dedans. Je vais aller en racheter des répulsifs vite fait. Parce que s'il faut que je fasse le tour de la ville... Vous doutez bien que... Hein? Bonjour monsieur! Qu'est-ce que vous voulez? Finir le jeu? Mais ça malheureusement... Ou alors... Non. Bon, c'était une idée à la con que j'avais, mais... Oh. Giovanni qui m'emmerde. Bon bah c'est parti. Hein. Difficile d'ailleurs, mais pas... Non mais je vais pas y aller, mais... Là, la demi-heure que je comptais passer sur le jeu va se transformer en une heure, quoi. J'ai un petit peu le seum, pas vous cacher. Ça, pour aller chercher un vieux Mewtwo dans une grotte, qui attend qu'une chose, que je le capture. Bah, à quoi ça sert? C'est pour s'affronter, là? Il y a partout, j'en vois partout, là. Mets ton sablero. Ah, mais faut que je mette mes Pokémon en tête d'équipe. Ah, mais t'es grand mort. Je sais même pas tous capturer. Non, non, sérieusement. Je suis où là? Ah oui, je suis à Céladopol, mais c'est où sur la carte? Vous avez bien compris que là, malheureusement... Ah mais attendez. La route 16-17, je ne l'ai pas faite. Je crois que je les ai évités. Je vais taper des dresseurs là en plus. Ouh. Qui est en tête d'équipe là? Ouais. Bah écoute, désolé Dracofeu, tu vas passer en premier parce que ta méga évolution me permettra de carry tous les combats là. J'ai pas envie de les faire en vrai. Là on va, bourrer hein. Parce que là. On souffle. Oui monsieur boss, qu'est-ce qu'il y a? Il est hyper cher. Pourquoi hyper cher? Ça te coûte pas le même prix que d'habitude? Oh, mais tu me... Tout le monde peut le faire, hein. Ça, ça va. Genre 30 euros pour les deux mois, quoi. C'était pas 20 avant? Ça a augmenté, là. On peut fuir? Si je fuis, il se passe quoi, là? Nickel. J'espère que ça vous a plu ce combat là. J'affronte aucun dresseur. Non mais mes grands morts, j'ai envie de péter un câble, on va trouver un autre raccourci là. Je passe pas par là. Là monsieur la carte. Bah j'ai quasi 15 euros le mois, j'avais pris qu'un mois. Mais c'était pas 10 normalement le mois. Ça a augmenté, hein. La première fois que tu m'en avais parlé c'était 10. Il n'y a pas un truc où il y avait une grotte topiqueur, je sais pas quoi. Il y avait une grotte qui me permettait d'aller là. Argenta et Carmin sur mer. C'est ça, Carmin. On va par là, mesdames et messieurs. On a trouvé un premier raccourci. C'est un petit peu long, excusez-moi, mais c'est Mewtwo, hein, donc... Ouais. Ah oui, donc ça a bien augmenté. C'est du chacal. Là, j'avoue que j'ai juste à prendre la formule en dessous et prendre le risque d'avoir un serveur moins puissant. Ah, bah, ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui gère en vrai. Après, dans un cas comme dans l'autre, t'as des plus et des moins, quoi. Sachant que là, on n'a jamais été aussi nombreux, si je me souviens bien du nombre. À toi de voir.
Après, tu peux changer de formule d'un mois à l'autre ou pas? Parce que si tu peux, tu peux prendre un premier mois à la formule que tu veux, et puis l'autre, tu descends si jamais tu vois que ça passe, quoi. Ou l'inverse. Tu prends le premier mois, pas fifou, puis tu prends le deuxième si ça passe pas, quoi. Carmin sur mer! Tiens, c'est là que je les ai capturés, les Goopix, d'ailleurs. Bon, là, elle va pas, parce qu'elle est répulsif, mais... une récolte de fond. Ah ouais. Attends, je vais te donner ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Ah ouais, bah écoute Ah, il a un petit cadeau pour moi. C'est de l'argent pour Hugo. Pardon. Un petit bouquet rangé avec amour pour un dresseur vraiment unique. Merci, merci, je sais, je sais. Quel connard. Non mais écoute. Elle était facile celle-là aussi. Tu m'excuseras. Bonjour, je cherchais la grotte au piqueur pour un putain de Mewtwo parce que je suis obligé de passer par là pour passer au meilleur jeu de la journée. Enfin, la meilleure génération, du moins. Pas forcément le meilleur jeu, parce que... il y va que Noir et Blanc 2 existe. Et Noir et Blanc 2 est meilleur que le 1. Mais... c'est vrai que ce qui est quand même marrant dans l'histoire, quand même, c'est que dans l'histoire, vraiment l'histoire, je vous parle, hein, du jeu, on est tombé sur Articodin, mais on a vu ni Sulfura, ni Elector, quand même. Hein. Voilà. Alors oui, il faut peut-être les chercher, je dis pas qu'ils y sont pas, hein. Ils y sont sûrement, il faut juste les chercher. Je dis juste que l'histoire nous amène à un légendaire, mais pas aux deux autres, quoi. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à passer Team Rouge sur Pokémon Go. Voilà. Sans influencer personne. Bonjour. Oui, j'en ai acheté assez de toute façon. Je suis à Jadiel là ou à Argenta? Non, je suis à Argenta. D'ailleurs, pour ceux qui regardent l'anime, enfin qui suivent actuellement l'anime, j'ai vu qu'il allait avoir un combat Iris-Cynthia. Bon, bah si j'avais de l'argent, je l'aurais parié sur Iris. Tout le monde sait qu'Iris va gagner contre Cynthia. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais... ah, pour passer la grotte! Oh. J'en ai marre de ce jeu! Pourquoi je l'ai pas désactivé? Parce que je l'ai payé 40 balles. Oui, bon. Faut les rentabiliser! On voit le pont, ces jeux-là. Désolé de vous l'annoncer, mesdames et messieurs. Mais c'est pas là qu'il fallait aller, je suis un connard. J'avais le bon chemin pourtant la première fois. Hein. C'était par là que j'étais allé, je crois. ~40 qui auraient pu aider pour le mineshap. Alors là, pour le coup, oui. Tu ne t'arrêtes pas, hein, tu répulses. Hein. C'est quoi cette grotte? Il te manque 40 balles. Non, il en manque 30, t'en fais pas. Après, il voulait prendre 10 balles de plus parce qu'il me taxe, mais... bah, blague mise à part, en vrai, si t'as besoin, tu me dis, hein, je peux facilement les avoir les 30, je pense. Hein. Tu me laisses 24 heures, bah. Ouais, tu me laisses 24 heures, moins 17 minutes. Mais j'ai l'argent, mais ça pique. Ah, bah, ah, bah oui, bah ça pique. Hein. Après, c'est pareil, hein, on rentabilise. Mais je suis où là? Je peux tout vous en prendre? On rentabilise en vendant des vidéos au-dessus, quoi.
J'ai besoin d'être convaincu que je vais dépenser. J'ai besoin d'être convaincu que je vais dépenser pour rien. Que tu vas dépenser pour rien? Ah ouais, tu veux être convaincu que tu vas être dépensé pour rien? Ah bah oui. Si tu veux, je peux désinstaller le jeu et ça te convaincra ça. Pardon. Excuse-moi, je suis tout à l'heure, t'avais oublié un mot, je suis un connard. Collecte. En vrai, ce serait pas possible. En vrai, je pense que tout le monde peut pas donner dans la collecte. Je pense que la collecte, en vrai, s'il la faisait, on serait. Je sais pas. Je pense que tout le monde paierait pas en vrai. Je connais pas tout le monde en plus, donc je peux pas dire, mais. C'est sûr que ça sera le dernier MDR. Ah, c'est sûr que c'est le dernier! Faut c'est un truc de ouf, t'es en train de me dire! Ouais, tu mets 24 heures pour préparer un truc de ouf, mais t'es un connard en fait, un petit peu. Non, je déconne, bien sûr. Enfin, tu mets quand même 24 heures pour préparer un truc de ouf, mais. Je t'en bats pour ça, quoi. C'est là que j'étais allé. Hop, excusez-moi. Pas dépenser pour rien, connard. Les payer les 30 balles juste pour te buter tous les jours, tu vas voir. De toute façon, moi je vais te buter. En fait, dis-toi un truc. Tu connais Hydra. Bon, tu connais forcément. Tu me tues une fois, je te tue deux fois en fait. Donc fais attention parce que là, je vais prendre des notes. Je prends 3€ par tête, ça réduit les frais. Mais c'est pas forcément les 30 balles. À 2-3€ par tête, il récupère les 30, hein, en vrai. Je pense. Si tout le monde joue au moins une fois. Après, on peut payer 2-3€ par accès, donc par jour. Bon là. Là, c'est même plus récupérer de l'argent, ça c'est. Après, de toute façon. Il y a plein d'actifs sur le serveur. C'est ça le problème, l'astuce. C'est qu'on peut pas le savoir avant de lancer, quoi. Je sais pas, moi ça me choque pas. Après, c'est. C'était délicat. Après, c'est. Pardon, je crois que ça doit être délicat pour nous demander de l'argent aussi en vrai. Moi, à sa place, je serai en PLR. Moi, de toute façon, déjà, à sa place, je serai tellement en PS que je serai en mode bon, bah déjà. Deux semaines, moi, deux semaines après. Oh, on va avoir 4 semaines de tranquillité. Oh, pardon. Me dis pas que je suis un connard là. Quoi? Mais comment j'y vais là-dessus? Oh putain. Moi, je vais mettre 5 balles. Ah oui! Là, ça me pue de la rentabilité, là, c'est. Par contre, comment on y va, cette merde, là? Premier degré chez Stock, je crois. Attendez, hein. Faut que je réfléchisse. Ok, on peut peut-être aller par là, je vais essayer. À un moment. Alors, attendez. Ah oui, c'est vrai, aider. Vacances à un moment. De toute façon, c'est. Il fait ça parce qu'il y a plus de gens en été. Mais voilà, on va passer par là, on peut. Nickel. Il va faire ça parce qu'on est en été, mais ouais, au final, il y a quand même les vacances aussi pendant l'été, quoi. Voilà. J'ai vraiment été con, en fait. Excusez-moi. Je repars, très cher. C'est jusqu'à quand, déjà, le serveur? Je crois que c'est 2 mois à partir de la date, hein. La caverne azurée, bon. 2 septembre, je crois. Bah, 2, ouais. Jusqu'à 19h, je crois, si je me souviens bien. Ou 15h. Mewtwo? Oh, t'es en train de me dire que je vais galérer à trouver Mewtwo en plus? Oh, je vais péter un câble. De toute façon, moi, je vous préviens, hein. Je suis le sac. Je suis le chacal qui prévient pas quand il est pas là, hein. C'est simple. Moi, je suis pas là, je suis pas là. Je préviens personne, je suis juste pas là. À Toulouse du 8 au 24 août, ça va être chaud de jouer à cette période. Ouais, je peux comprendre. Il y en a pour qui ce serait l'inverse, hein. Il y en a qui viennent de campagne, ils auraient une meilleure connexion à Toulouse, mais je dirais pas qui. Auvergne. Par contre, il y a 10 milliards d'échelles là. Mewtwo, je vais le mériter quand je vais le choper en fait. Oh. Bon, j'espère que vous avez pas voulu voir du noir et blanc, parce que le noir et blanc, on va le voir quand on aura Mewtwo. Hein. Autant vous dire que ça va pas être tout de suite. J'ai beau avoir 4 Pokémon et avoir un swag infini avec mes Pokémon.
Ou alors je fais le connard et je cherche la solution sur internet. Mais bon, là on perd tout le principe du jeu, quoi. Ce jeu de mort. Mewtwo! Petit! Je viens de là, non? Non, en fait, jusqu'au 21. Après, j'ai 3 jours de non dispo. De toute façon, après... Dernier Mineshaft, c'était quand? C'était en décembre, ouais. C'est fini décembre, j'ai même pas prévu quand j'ai pu allumer Minecraft à partir du 19, je crois. J'ai pas prévenu, hein. Fenard est complètement fasciné par le sol étincelant. Ah oui. Pas joué quand j'aurai changé de PC, alors bon. En plus. Vous avez... enfin, voilà, vous prévenez, vous voyez. Moi, je préviens même pas, hein. Petit Mewtwo, petit. Actuellement en PLS. Pas de là que je viens là. Oh non, mais je vais péter un câble. Non non, mais là c'est la bonne, ça c'est la bonne direction ça. N'inquiétez pas, hein. On va vite se casser de là, mais... Laissez-moi le temps de comprendre leur principe d'échelle, et savoir si je dois descendre chercher Mewtwo ou monter chercher Mewtwo. On parle des allers-retours, rien à foutre. Mais c'est pas rien foutre, je cherche une putain d'échelle pour m'amener à Mewtwo. Je... Tu l'as ouvert, tu... Rappelle-moi, tu as joué le jeu là, toi? Parce que bon... Quand tu chercheras Mewtwo, je rigolerai aussi. N'hésite pas à me prévenir quand tu le feras. Parce que là, en effet, actuellement, je souffre à chercher Mewtwo. Je le fais pour avoir un petit truc sur YouTube en mode « Waouh, on découvre Mewtwo et tout !» En mode « Waouh, c'est exceptionnel !» Et faire des vues, mais... avec un cadre rouge, une flèche et une femme dénudée, comme toutes les vidéos putaclic, on connaît le principe maintenant. Ah, il y a des Pokéball. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, Flair a déterré quelque chose. Un sac de poussière étoile. Ah, c'est bien ça. C'est là d'où je viens. Je pète un câble. Mais non, mais... Non, j'ai juste fait un tour sur moi-même. Très bien, monsieur. En vrai, je sais que la caverne azurée, c'est là où il y a Mewtwo. Tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il y a un monde où ce jeu-là a mis Mewtwo ailleurs, quoi? Et que je me trompe de caverne? Parce que quand même, j'ai l'air de bien la fouiller et qu'il se passe rien, quoi. C'est une caverne avec un peu d'eau, quelques cristaux, et puis bon... Pas de Pokémon dedans, quoi. Là d'où je viens. Putain, un câble. Ça, c'était un aller-retour à rien foutre. Ça, je suis d'accord à la limite, mais je peux tout expliquer.
Celle-là. Celle-là, vas-y, je la sens bien, celle-là, là. Eh ben non, c'est celle à côté. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la solution. On se casse. Comment on sauvegarde? Donc là, mesdames et messieurs, vous allez voir quelque chose qui est assez exceptionnel dans le monde de Pokémon. Il s'agit du Pokémon Mewtwo. Et pour ceux qui n'ont pas saisi, parce que moi j'ai saisi ça il n'y a pas très longtemps, Mewtwo, c'est Mew, donc le Pokémon Mew, Too, avec le numéro 2. Genre c'est le clone, donc c'est Mewtwo. Pour ceux qui n'ont pas compris, moi j'ai compris ça il y a moins de 6 mois, donc pour ceux qui n'avaient pas compris... Il y a un film entier sur ça. Non mais... Je parle du nom. Je sais que c'est un clone de Mew depuis le début, merci. Je parle du nom, c'est Mew, tout. Genre le nom est séparé. C'est ça que je veux dire. Je sais que Mewtwo c'est le clone de Mew. Pas besoin d'un film pour le savoir, mais... Je vous explique le nom Mewtwo, d'où ça vient. Ah, il est là! C'est bien, vous êtes calme, vous êtes sage le chat, c'est bien. Mettez des points, faites pas de bruit comme ça. Vous me déconcentrez pas quand je combat Mewtwo. Bonjour! Imaginez les shiny, il est vert. Juste imaginez les shiny, quoi. Écoutez, on y aura cru, hein. On y aura cru. Alors, méga évolution Y, parce que la X est dégueulasse. Et ça part en Dracorage. Et non, c'était les Y qui est dégueulasse, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. C'est la X qui est sympa. Tant pis. On prend avec. Attendez, il est quel niveau le Mewtwo? 70? Ah oui! Merde! Bon, finalement, on fera peut-être pas Mewtwo aujourd'hui. Alors, du coup, je propose qu'on. On n'est pas en Nuzlocke. Bon, alors. Tu sais que c'est Mew, c'est miaulement en anglais. C'est pour ça que c'est un chat. Ah, c'est un chat, Mew? Ça, je savais pas par contre. Alors, Evoli, par contre, tu vas me... Voilà, maintenant, c'est full guérison sur Evoli. Full rappel, et on finit... et on défonce Mewtwo comme ça. Ça vous va? Bon, bah je sais que non, mais vous n'avez pas le choix. 55 rappels, hein. Ça va aller très lentement. Désolé, hein, mais... Je veux bien être gentil, mais là, malheureusement, j'ai pas le temps pour vos conneries, quoi. Là, Mewtwo va brûler jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Voilà ce qui va se passer. Après, Fenard, je l'ai maxi vitesse, hein. Peut-être qu'il fera des dégâts, hein. Et oui, je l'ai maxé attaque, je crois, attaque ou attaque spé. Vibro obscur, super efficace. Ah, elle était plus rapide. Ah, bah non. Donc, t'as 20 niveaux de plus, mais... On n'a aucune défense, par contre, Fenard, hein. Désolé. Excusez-moi, je peux pas prévoir qu'il serait... T'as pas de Master Ball? Non mais alors, pardon, l'astu! L'astu, excuse-moi! T'as cru que c'était un jeu normal? J'ai une Master Ball, oui. Mais je peux pas la lancer, il faut que je le mette KO avant. Avant que je me sois trompé, mais ouais, voilà. Faut que je le mette KO avant. Mais l'astu, c'est un jeu de merde, là, tu t'es cru où? T'as cru que t'étais dans Pokémon? Pardon. Non, quand je dis l'horrible jeu, c'est littéralement l'horrible jeu, hein. C'est pas... Après, il est maxé en défense, Arcana. Oh, il a un PV! C'est bien, Arcana.
J'avais pas tenu par l'équivoli, si, j'avais. Après j'ai voulu cramer hein, aussi. Au moins comme ça il prend les dégâts tout le temps, tu vois. Là franchement Mewtwo il meurt hein. C'est le pire combat que j'ai fait dans un jeu Pokémon, parce que j'ai aucun Pokémon XP. J'ai fait la ligue avec un seul Pokémon, parce que en fait, bah si, 3. Dragofeu, Fenard et Voli. Les autres m'ont servi à rien. C'est spécial psycho accessoirement. Ouais mais normalement j'ai amélioré la défense et la défense SP sur Arcanin je crois. C'est-à-dire que là maintenant je vais tourner à coup de psycho en fait. Hein. Enfin à coup de rappel. Hein. Donc bon, ça va pas être fifou quoi. Bon, ça va être un petit peu chiant, hein, je vais pas vous cacher. Je pense que vous pouvez revenir dans 10 minutes si ça vous emmerde. Hein. Dans 10 minutes on aura normalement fini. Bah, j'ai un peu déconné, excusez-moi, j'avais pas prévu le niveau 70 du Pokémon. Si 53 rappels ça me suffit pas, je peux plus rien faire. Bande de chacal, ils veulent même pas que je m'inquiète pas, hein. Il est dans le jaune, ça c'est fait. Bah on va être fenêtre hein. Les légendaires sont tous quasi toujours 70. Alors oui c'est vrai que j'aurais pu y penser en vrai. J'ai été un peu un con sur ce coup là. Mais en vrai je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis dit que ça serait différent. Écoute disons que là Evoli est en train de me carry mon combat. Donc je vais dire que tout va bien et je vais essayer de dire que je le vis bien. Alors que je le vis très mal mais... Quoi? Il ne s'est passé quoi là? Mewtwo a disparu? Ah ouais. C'est un bon vieux jeu de merde ça en tout cas. Bon bah écoutez... J'ai jamais vu un jeu aussi dégueulasse en fait. C'est-à-dire que même Porky a mieux collé son jeu que Nintendo a collé ce jeu là en fait. Ils m'ont fait quoi là? Reset GG. Est-ce que je reset en vrai? Est-ce que j'ai le courage de sauvegarder de me casser Reset. Vous me gavez, hein. Vous savez que ce jeu me gave. Hein. Bon, du coup. Eh, n'empêche, deuxième chance, peut-être il est shiny. On peut pas savoir. Faire du Shundun si tu veux shiny. Non, non, faut que je finisse Pokémon Nord après. Mais... De toute façon, Shundun en vrai, faudrait que je le re-télécharge. Mais En vrai, donne-moi ton truc, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais donne-moi un truc que je peux t'identifier dessus. J'essaierai de le re-télécharger, en vrai. Puis je mettrai l'icône de Gettys pour me la péter aussi. Alors, Dracofeu, tu vas méga évoluer. Et tu vas faire... Dracorage. Merci Dracofeu. Tu peux être plus Google. Ah non, non, moi je vais le télécharger. Ça me fait une fenêtre à part, tout ça. Non, non, je vais pas aller sur Google pour ça, je te dis tout de suite. Mais je sais que je peux y aller. Ça, moi j'ai un compte de créer et j'ai pas à le connecter à chaque fois, tout ça. En plus, je dois déjà avoir un compte en plus.
Ah mais t'as raison, j'ai le type ténèbres. Alors moi je vais taper feu pour le brûler quand même. Mais alors, peut-être, je dis bien peut-être qu'on aura une chance de faire attaquer. Ah, la défense SP augmente. T'es brûlé de toute façon, voilà. Écoutez bien mesdames et messieurs, peut-être. Alors peut-être que je vais pouvoir taper ténèbres avec Evoli. Résiste Evoli. Ensemble Evoli jusqu'à la victoire. T'es une merde Evoli. Je tente Fenard parce que Fenard peut... Ah non mais... C'est vrai que Fenard n'est pas plus rapide. C'est-à-dire Fenard est plus rapide. Bah après si. Les IV sont vraiment remis à zéro, donc j'ai peut-être un... Enfin, pour Mewtwo, donc j'ai peut-être une chance. Non. Ok, ok, okay, je tentais juste. Allez, c'est gagné. Ça me met très bien en tout cas. J'ai 55 rappels. Et c'est parti. Hein. Vous savez qui serait bien dans Pokémon? C'est pouvoir couper la musique du jeu et mettre une autre musique de fond et pouvoir danser dessus pendant qu'on laisse Mewtwo cramer tout seul. Voilà. Je me demande si tu peux skip un coup de Requiem. C'est-à-dire. J'ai fait morsure! Il va crever, tout le monde le sait! Générique Pokémon, peut-être changer à toute tête. Alors je vais vous dire une chose. Si Mewtwo me tue tous mes Pokémon, c'est-à-dire si j'arrive à déconner assez et que j'arrive à ne pas le choper, là, si je dois encore rester une deuxième fois, je vous promets de chanter en stream le générique de Pokémon. Avec les lyriques derrière, bien évidemment, on va pas déconner non plus. Bien évidemment, ça n'arrivera pas parce que je ferai très attention et que j'ai encore l'équivalent de 53 rappels. Donc ça n'arrivera jamais, mais je peux encore faire des conneries et me misclic des touches. Donc bon, vous avez une chance sur 7 que ça arrive. Autant vous dire que bon, faut pas aller jouer au loto quoi. Ils sont déjà tous morts ceux-là. Il reste méga évolué du coup. Oh non, il est plus méga évolué. Si ma présence est timée, il va encore se barrer si ça se traîne. Non, je pense que. Non, c'est là, là, il est plus slow life que tout à l'heure. Donc. Je vais juste faire. Non. Là, c'est pas possible. Non, bah alors. Bon. J'espère que sa présence soit timée. Ok. Je vais juste me permettre de checker sur Google si sa présence est timée. Mais non mais c'est quoi cette connerie là? Elle est vraiment timée? Il
N'hésitez pas à utiliser votre deuxième manette afin d'améliorer vos chances de le battre en 5 minutes. Des Pokémon de niveau 60. Non mais je vais me faire foutre là. On se fout de moi. De toute façon les enfants ce sera impossible de le choper donc de toute façon on l'a déjà sur Pokémon épée, on s'en fout on sauvegarde et on se casse hein. Du tout de merde là, personne n'en veut. Bon on va chanter Pokémon là, parce que j'ai des enfants qui veulent que je chante Pokémon. Putain. À quel moment je pouvais prévoir que cette putain de merde était timée quoi. Première et dernière fois que je chante en stream. Je vais fermer la fenêtre pour éviter de gueuler dans tous mes voisins en chantant à toute tête une musique que personne ne connaît. Non mais c'est un rire nerveux, hein. J'ai pas du tout envie de chanter. Bon, le jeu de Porky ira se faire foutre. Pardon, alors. Non mais enfin je sais pas c'est quel niveau de sadicité. Envoie-moi quand même toi un MP ton truc pour que je puisse te repérer une fois que j'aurai installé le truc quoi. Enfin que j'aurai installé Sheldon. Alors. Ça dure 3 minutes! Non, non, mais je suis pas la version longue là, attendez, attendez. Non, non, c'est pas la version longue que je fais. Moi je veux la version courte, genre la version de l'animé quoi. La version qui dure 1 minute et quelques quoi. Générique Pokémon saison 1 à 17. Non, mais attendez, mais je. Mais pourquoi ils me sortent tous 3 minutes? Arrêtez vos conneries! Ça dure 1 minute. Ah, Pokémon générique 1 plus Lyrics. Plus Lyrics, oui. Préparez-vous à un clip. Tabou, je dis. Ouais, faut s'arrêter, mais qu'est-ce que. Mais à partir de là, c'est quel moment de sadicité déjà de me. Non mais. Genre, je suis je ferai tout. Il y a des fautes dans le truc là, ça me stresse, excusez-moi, il y a des fautes dans les lyrics. Dresseur, je me remettrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Ah, évidemment, c'est réinterprété par moi-même, hein. C'est pour ça que c'est pas forcément aussi clair. Parcourir la terre entière, tranquille avec l'espoir. Les Pokémon de leur mystère, le gré de leur pouvoir. Pokémon, attrapez les touches. Entends le pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez même à notre âge. Un voyage d'apprentissage. Ça. Non, mais y a un accent sur le A, quoi! Demande du courage, Pokémon, attrapez les touches, attrapez les touches, Pokémon. Voilà, allez, on oublie cette merde, et on passe sur un vrai jeu, parce que là... Ok, mais mets le générique, pour... non mais en fait il me fallait... Ok, donc j'ai pas vu ce message là, il me fallait une vidéo où j'avais les paroles, ça durait 1 minute, et j'avais la musique. Et malheureusement il n'y avait pas, sinon je l'aurais fait, mais tu te doutes bien. De toute façon, là, vous avez entendu, vous avez les clips, vous avez vos conneries, et on n'entend parle plus jamais de ce truc-là. Sachez une chose, si vous avez clip, la compile du mois prochain, ça n'y sera pas. Hein. Ça aura disparu, en fait. Hein. T'as juste pas bien cherché. Non, mais j'ai que des versions de 3 minutes, en fait. J'ai pas envie de faire ça pendant 3 minutes, je t'avouerai. La version longue, je la connais même pas, en plus.
Alors, j'ai toutes mes raisons de c'est quoi ça? Ça c'est pas. Je cherche pas des vidéos là, je cherche pas à faire du montage, je cherche à lancer un jeu Pokémon. Et être en open roue libre, t'as juste pas bien cherché. Ah, mais du coup, je vais mettre un autre message. J'ai cru que tu m'avais dit que tu l'as cherché justement, en mode c'était ma faute. Donc, évidemment, Mewtwo, c'est un connard, hein, évidemment. Alors, tryhard Pokémon noir en Nuzlocke. Point d'exclamation. Nuzlocke. On sélectionne tout. Non, il fait chaud. Il fait chaud dans le désert. Pas dans le sergent, dans le désert. Mais c'est quoi ce recteur de merde? Pardon, excusez-moi. Dans le désert. Nos Pokémon conditions extrêmes. Avec un S, s'il te plaît. Pokémon noir, bien évidemment. Hop! J'ai dû partir, j'espère que c'était clip. Non, non, il n'y a rien de clip du tout. De toute façon, c'est copyrighté. De toute façon, vous n'entendrez rien si vous regardez la rediff, non? Vous êtes niqué là si... pour la rediff, je pense. De toute façon, vous ne l'avez pas, c'est moi qui ai la rediff en vrai, parce qu'il faut que je la publie. Mais je regarderai si vous avez été niqué ou pas en vrai. Ça me ferait beaucoup rire que la musique soit copyrightée et que vous n'ayez rien en fait. Hein. Sans être sadique. Alors, 24, on va le baisser un petit peu. Voilà.